Et re YouTube, c'était aussi rapide que ça. Hop. Ok, là on voit rien du tout. On va allumer un petit peu. Que la lumière soit. On n'y voit rien ici. Ça a l'air immense. Garde tes munitions. Je m'en occupe. Ah, tu pouvais pas le dire avant? Alors, qu'est-ce qu'on a? Des produits de complément, des stabilisateurs, des réactifs, des matériaux nobles largement supérieurs à ce qu'on a vu dans la chambre. On est sur la bonne piste. Bien, bien. Et ok, ok. Vas-y, allume mon gars. Amicia, ce sont des notes de ta mère. Tenter une nouvelle transformation, mais l'élixir est incomplet. Le flambeau du porteur se dérobe, laissant mon fils dans les ténèbres de la macula. Elle était sur la voie, Amicia. Ce que l'on cherchait forcément ici. Mais où? À quoi ça ressemble? Là, il y a quelque chose, on dirait. Allez, vas-y, éclaire. Presque. Un enfant, dans les bras de sa mère. Mais, ces marques sur son torse, Lucas. La prima macula. Mais cette fresque a au moins 8 siècles. Eh ben, ça existe depuis longtemps. Ça a déjà eu lieu. Oui, mais combien de fois? Ouh, le petit coffre, là, je le sens bien, là. Les voyages du sang. La macula voyage à travers l'histoire. Elle a déjà changé le monde et elle le changera de nouveau. Cette boîte porte un phénix, le symbole du grand œuvre alchimique. Amicia, je crois qu'on a trouvé. À toi de l'ouvrir, d'accord? Ah, j'ai dit que je le sentais bien. Bah, ils peuvent pas expliquer comment ça change le monde. Dire quoi exactement? Lucas, regarde. Cristallisation avancée, couronne vert bleu, substance claire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, ça pue? Lucas! Parfum d'ambre incroyable. Mais dis-moi à la fin, qu'est-ce que c'est? L'élixir pour Hugo. Elle y était presque. C'est un thé à la menthe. Le même élixir que tu... Oui, sans le livre. C'est vraiment incroyable qu'elle ait pu aller aussi loin. Oh, le fait de pas tomber. Ouh là là, prends-la demain. Mais alors, on peut peut-être s'en servir. Avec le livre et mes préparations, je crois... Je crois que je peux même le terminer. En tout cas, tu as l'air bien parti, Maître Lucas. Allez, vas-y, fais ça. Nous, on va explorer un petit peu. J'aurais compris. J'aurais pu... Aïe! Oh là là, le con! Mais non! Amicia, j'aurais fait pareil à sa place. C'était une alchimiste. Et puis, une maman, mon bait. Ça protège ses enfants. Tu crois pas? Oh là là, ça prend du terrain. Avoir le droit aux tornades. On va sortir d'ici. T'occupes pas de ça. Voilà. Les tirs. Je vais les retenir. On va s'en occuper, nous t'inquiète pas. Pourquoi maintenant? Lucas, il faut accélérer. Viens. Mange-toi ça. Ok, je peux le tourner ça. Il y a une chaîne par là. Ah non, c'est avec ça, ok. L'alcôve avec... Attends. L'alcôve avec le rideau. Laurentius disait... Là. Tempère les battements de ton cœur, car c'est lui qui œuvre à travers tes mains. Alors, tempère-toi. Ah merde, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, dans l'autre sens, voilà. On en crame quelques-uns au passage. Très très bien. On aime, on aime. Allez. Le rideau, c'est là. Voilà. On y va. T'as vu essayer de grailler des petons là. Pas y aller. Poivre, menthe. Non, il doit y avoir pire. Bien, c'est quoi ça? Aucune idée, ça sent rien du tout. Allez, c'est peut-être ça, non? Ah voilà, quand ça pue, c'est que c'est bon. Ok, allez, ça y est,
Les nuées là. Bam. Qu'est-ce qu'il y a maintenant hein? Vas-y, mange-toi ça. Petit caillou. Voilà. Du charbon là. Ça a essayé de grailler des bouts de pied. Ouais. Ah, je peux directement y aller, ok. Allez, tiens. On va réveiller ce phénix. Doucement. Arrête de trembler. Pas le moment de gaspiller. Tiens, encore là. Allez. Mange-toi ça. Petit bout de charbon. Petite chicha. Voilà. Non mais pas assez. T'avais dit que tu voulais retrancher. Alors pourquoi tu rajoutes des choses dedans? Il faut ajouter pour retrancher. Le bras zéro, Amicia. Tu dois m'ouvrir un passage jusqu'aux alambics. Eh bien soit, va pour les alambics. Ok, ok, ok. Les alambics. Dans l'autre sens. Ah merde. Non. Hop. Il y en a encore un. Oh, il y a la musique qui s'emballe. Il est où, fils de pute? Ok, non. C'est bon, c'est moi qui m'emballe. Voilà. Allez, tourne-moi ça. Voilà, ils sont là, tes alambics. Ah, mais il s'est énervé, le petit, là. Il a envoyé une caillasse. Il est énervé, oh. Pas le cours de l'histoire. Allez, on s'y remet. Oh, Lucas, fais pas de bêtises. Je sais ce que je fais. Enfin, je crois. De toute façon, ah, je crois. C'est trop tard pour reculer. Comment ça, tu crois? Alors, t'inquiète, je gère. Chicha de France. Chicha fromage. Hop là. Ramène-moi tout de suite. Allez, vas-y. Voilà, on en crame au passage, c'est très très bien. Oh fuck. Oh, enfant, tu dois allumer le flambeau. Je sais pas ce que tu fais, mais fais-le. Moi, je vais les trouver. Il est où ce bâtard? Ça les a calmés. J'ai réussi. Et c'est comme s'ils le savaient. Allez, ne traînons pas ici. Alors, à toi l'honneur. Ah, tu le fais pas tomber, hein. Ah, ça les calme. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Bernard et Bianca, là, ils sont calmés, là. Hein. Lucas, tu as réussi. Gunfire. Il y a quelqu'un qui va venir le chercher là. En tout cas, c'est une certitude maintenant. Si l'élixir est relié au rat, ça veut dire qu'il y a un lien avec le porteur. Commençons déjà par sauver Hugo. Salut Mist. Voilà, c'est qui le boss maintenant hein? Allez, on retrouve tous nos potes. Attendez, je vais vous enlever. Mode ambiance. Hop, hop. Et voilà. Ils sont là. Et on retrouve la bande. Notre apprenti alchimiste a fait des merveilles. On a l'élixir. J'ai toujours su que t'étais un bon. Merci. Venez. Allons voir Hugo. Hugo, tu dors pas? Hé, on a réussi, regarde, l'élixir.
C'est Lucas qui l'a fait. Tiens, vas-y. C'est peut-être un peu amer. C'est pas grave. Bois tout d'un seul coup. C'est bien. Et je vais être guérie maintenant ? Eh ben... En tout cas, tu vas aller beaucoup mieux. Amicia ? Maman, on la verra vraiment plus jamais. Oh, Hugo... Tu sais bien... Elle... Elle reviendra pas. Non. Mais... Elle a pas mal là où elle est. Non, non, bien sûr que non. On va tous dormir maintenant, hein. Et demain, quand tu te réveilleras, ça ira beaucoup mieux, tu verras. Je trouve que ça va être pire, il va devenir le roi des rats, mon gars. Éteins la lumière là, et l'écologie alors. Non, elle est pas morte en vrai. Ils l'ont chopée. Chapitre 13. Pénitence. Du coup, non, elle est pas morte. Ils l'ont chopée pour lui soutirer des informations sur son fils. Tout ça. Elle le sait, elle. Elle a menti. Amicia, tu vas pas le croire. Roderick a battu Arthur à la fronde. Mais n'importe quoi, il était devant la ligne. T'es juste mauvais. Oh, qu'est-ce que vous avez encore? Bah oui, si vous respectez pas les règles, forcément. Les règles? Hugo? C'est toi qui dis ça. J'arrête pas de vous lui avez dire. Vu Hugo? Devenu un rat. Putain, mais qu'est-ce qui nous casse les couilles jusqu'à la fin, ce petit con là? Et que des conneries, putain, moi je leur ai mis une putain de fessée là. Je suis pas pour la violence contre les enfants du tout, hein, j'ai jamais frappé. Mais lui là, franchement, il mérite. Hein. Que des conneries, hein. Et voilà, regarde à cause de toi, Hugo là. Ok. Il a quoi le petit frère? Il a une maladie, la magula, je sais pas quoi. Alors on sait pas trop qu'est-ce que c'est vraiment. On sait pas trop qu'est-ce que ça implique, mais apparemment le mec. Tous ceux qui l'ont eu ont changé le monde. Mais apparemment, selon les stades de la maladie, tu deviens plus ou moins conscient de ce que tu fais. Mais il a entendu, il t'a parlé de ta mère et tout, il a entendu ta conversation, elle est pas morte. Un village ici? Oula, elle est en train de rêver, elle. Le petit va bien? Clairvie? C'est vous? Vous avez vu Hugo? Tu lui as encore crié dessus? Non! Non, pas du tout! Oh, les temps sont trop durs pour se disputer. Mais on se disputait plus! Amicia, un enfant ne s'enfuit jamais sans raison. Ouvrez-moi! Je vais le retrouver! Bien, mais sois prudente. Tu vois pas qu'il y a du sang un peu partout là? Un mauvais vent arrive, Amicia. Qu'est-ce que... Wow, elle a un bad trip là. Amicia, je t'attendais. Viens avec moi. Laurentius, c'est vraiment vous? Où est Hugo? Il est parti. Je savais bien que ça arriverait. Pourtant, j'ai veillé sur lui. Pourquoi elle a pris des champignons. Je sais pas, j'ai tout fait pour le protéger. À lui et ses pustules, là. Il est facile de faire couler le sang. Mais aimer, protéger. Je vais le retrouver. Alors va. Et prie pour qu'il soit encore temps.
Maman, j'ai entendu du bruit dehors. Hugo, c'est lui. Elle a sniffé des champis là. Viens ici. Oui, mère. Ton frère est là. Il va bien? S'il est revenu, c'est qu'il ne va pas bien. Mais pourtant, j'ai tout fait. Tu lui as caché la vérité. Mais... ses émotions, Amicia. Je t'avais prévenu. Laissez-moi le voir. C'est un petit con. Avec qui tu parles, maman? Je dois le voir. Il n'a plus besoin de toi. C'est faux. Alors vas-y, vois par toi-même. Qu'est-ce que t'as encore, là? Hugo, tu vas bien? Non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu m'as pas dit que maman était en vie? Hugo, c'était pour ton bien. C'est pas vrai. Tu voulais pas que je le sache. Ne dis pas ça. T'es jalouse. Jalouse. Laisse-moi. Bon voilà, elle était en bad trip. Où es-tu? Sa maladie, c'est la peste en gros. Non, c'est plus que ça. Quand t'as la peste, tu changes pas le monde, hein. Hugo, je veux partir. Il est là. Oh, merci. Arrête de gueuler. Elle est où ta sœur, hein? Je sais pas. C'est vrai. Ça ferait une jolie peste. C'est quoi? Ah bah alors. Bah qu'est-ce qu'il fait lui? Bam! Amicia, je suis là. Ah oui, encore une fois, hein. Hugo, c'est fini. Putain. Ils t'ont pas fait mal? Non. Mais pourquoi tu es partie comme ça? J'ai rêvé de maman. Elle m'a appelé. Tu as dû faire un cauchemar, c'est tout. J'ai vraiment cru que c'était elle. Elle avait mal et... elle ne souffre plus là où elle est. On en a déjà parlé. Mais... elle est partie, Hugo. Tu dois l'accepter. Rentrons. D'accord. On doit retrouver le château. Bon, ça va, ça va. Il est gaulmont ce petit, hein. Maman? Amicia, c'est maman? Quoi? Ça vient de là-bas! Faut y aller! Non, tu n'y vas pas! Mais pourquoi? Lâche-moi! Hugo! J'arrive! Non, mais elle a encore non, elle est encore bad trip, elle est encore bad trip. C'était trop simple. Putain. Petit con, là. Elle est encore en bad trip, hein. Arrête, c'est pas elle. Ah, non, non. What? Qu'est-ce que c'est que ce... putain, mais elle a sniffé des trucs là, mon gars. C'était de la coque mélangée à des champis. What the fuck? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, pas Nicolas! Ne touche pas! Non! Où est-ce? Attends! Il n'y a personne. What the fuck? Allons-y. C'est stylé par contre. Attends, mais je nage dans les rats là. Chapitre 14, les liens du sang. C'est fini. Mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Je peux aller la voir maintenant? C'est le grand inquisiteur qui décide. Mais vous avez dit que... ce que je dis n'a pas d'importance. Seul compte la parole du grand inquisiteur. Mais ne t'inquiète pas, tu comptes vraiment beaucoup pour lui. C'est pour ça qu'il t'enferme. MDR, ils ont laissé n'importe quoi. Je dois trouver maman.
Ah putain. Genre ils ont laissé un passage comme ça. Moi je vous dis lui gère les rats lui. C'est le maître rat, on va le découvrir là maintenant. Ok, je vais remettre la canne, tout ça. Les rats LED et tout. Hein ? C'est quoi ça ? Non, c'est rien, t'inquiète. Y'a rien du tout. T'inquiète, frère. Retourne à tes occupations. Tu vois bien que c'est juste du sol, du parquet, avec une boîte et un peu de fer autour, t'inquiète. Voilà. De manger ton sandwich. Hein? Il y a rien eu. The fuck? Il s'est basé là. Mais pense à Vitalis, ton calvaire n'est rien à côté du sien. Ah mais il y avait un autre mec. Je l'ai pas vu. Oh fuck. Ça passe. Ah d'accord, ok. Quoi? Ça bouge par là. Mais non, ça bouge pas par là. Ah merde, ok bon, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Il court. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Hein ? Bientôt. L'heure de la conjuration approche. Mais pense à Vitalis. Ton calvaire n'est rien à côté du sien. Voilà. Tranquille. Voilà. Maman. Matière des matières. Ah, tu peux pas rester juste avec ta sœur. En te brisant, je t'ouvre la voie. La voie. Voilà, tourne. Le sang de l'élu. Il est en train de faire du fromage ou je sais pas ce qu'il. La merde, qu'est-ce que c'est? Ah mais non, c'est le truc qu'ils mettent à côté là. Oula merde, il y a un mec en haut. Hop. Passe par là. Ni vu ni connu. Hop là. Félicus, que donne le raffinage aujourd'hui? Excellente qualité. Mais la masse des pissenlits pourrait se diminuer. Nos récolteurs se font décimer par les rats. Faites au mieux. La vie du grand inquisiteur dépend de la qualité du. T'as pas compris, je suis comme une ombre. Je suis le maître des rats. Personne ne peut me détecter. Je suis une ombre, je suis la nuit. Le corps du grand inquisiteur est. Oh fuck, non! Les bouteilles! Ah ça va, je suis de là. J'ai pas vu les bouteilles, putain. Faut faire gaffe. Les bouteilles de vin, on est en France, c'est vrai. Le corps du grand inquisiteur est dépassé par la morsure. Je crains qu'elle ne s'attaque désormais à son esprit. Ne vous inquiétez pas. Le sang du garçon va rétablir les. Voilà, donc tu vois, ils veulent le sang de. Attention. Du petit. Pour soigner l'inquisiteur. Voilà. Barre. Falloir changer les filtres et racler les cuves.
Et racler les... Putain, j'ai entendu racler les culs. Hop, faut attention au vin. Nation de... Del Colo. Nous avons presque atteint l'objectif. J'espère. Parce qu'on ne pourra pas faire plus. Hop là, il a rien vu. Putain, ce petit, en fait c'est un prequel à Splinter Cell. La fin de la morsure, ça va être une sacrée fête. Allez. Après lui ça va devenir un assassin des Templiers. Hop. En fait, ce petit, c'est le futur Altaïr. Ou non, comment il s'appelle le mec de... Le héros d'Assassin's Creed qui est en France. Je ne connais pas du tout son pseudo. Son pseudo, son... Allez, bouge de là. Viens, va voir. Et moi en attendant. Hop là, Bolos. Tac, parfait. Bibi Ayabusa. Oh putain, c'était pas loin ça. Heureusement qu'il ferme les portes derrière lui. Inquisiteur est très occupé. Occupé ? Je suis l'archevêque. Je représente le pape. Excellence, la mission du grand inquisiteur est sacrée. Sa mission n'a jamais eu l'accord de l'Église. Je ne vois ici qu'hérésie et occultisme. Et vous le suivez sur cette route infernale. Mesurez vos paroles, Excellence. Votre rang devrait vous inciter à plus de prudence. Folie. Les écoute pas. Allez. Allez, montre-nous tes pouvoirs là. Gère les rats, putain. Maman, tu es où? Ok. Il va le faire. En tout cas, matez-moi cette architecture, elle est très très belle. Hein. Et level designer là, ils sont cassés le cul. Hein. Puis franchement, les textures sont giga propres, hein, regardez. Même de près, ça va, c'est plutôt propre. Hein. Oh non. Bon. Il doit pas me voir. T'inquiète, il va pas te voir. Comment je fais pour ouvrir par contre là? Il y a des clés, non? Non? Par où je passe? Ah, par là. Mais non. Ah merde. Mais non. Si. Il a dit mais non. Ok, bon, j'avais pas vu le passage. L'église 2.0. Comment ça 2.0? Non, franchement, ils ont fait un travail de reconstitution. Hein. C'est des. Ils ont vraiment étudié. Oh non. Il doit pas me voir. L'architecture. C'est quoi la région? C'est l'Aquitaine. Voilà, donc ça c'est concept, hein. Ce sont des tiroirs. Ah oui, non, mais ce sont d'un enfant lors de la grande peste de Justinien. Je le savais, la noblesse romaine l'avait isolé du peuple et lui vouait un culte secret. Ah, peut-être un ancêtre d'Hugo de Rune. Continuez. Il parle de moi. Ouais, apparemment t'es un mec qui mérite un. Mérite de l'attention. Bon, en tout cas, mon sang est. Le sang du petit est sacré. Alors, par où il passe, lui? Et merde, il s'est tourné au pied.
au mauvais moment. C'est les tiroirs passe-partout. Ouais. Ah merde, merde. Ah, putain, ils m'ont remis là. En libérant le pays de la mort, on va attendre qu'il passe lui. Il va se retourner là. Ok. Ouais, bon. Prima Macula, dans l'ombre du premier seuil. Oui, donc. Porteur qui s'égare. Ou marche aux côtés de celui qui l'adopte. Mais... Ah, ouais, voilà. Donc, on peut soit sombrer, soit la dompter. Donc, je suppose qu'on va arriver à dompter les rats à un moment donné. Ce serait quand même assez stylé. Les textes de recherche de Béatrice de Rune sont totalement cryptés. J'abandonne. J'ai une bonne nouvelle. Ils l'ont enfin déplacée au sous-sol. Alors, elle va céder. C'est pas trop tôt. Maman ? Il a rien entendu, là ? Il a dit maman ? Ok, donc elle est au sous-sol. On va aller la chercher. Ah, mais comment ? Comment je passe, là ? Genre, il me voit, lui, de là ? Oh shit. Putain, il me voit de l'autre côté, hein. C'est bien. Les textes de recherche de Béatrice de Rune sont totalement cryptés. J'abandonne. J'ai une bonne nouvelle. Ils l'ont enfin déplacée au sous-sol. Alors, elle va céder. Ah, mais attends. Ah, ok. C'est bon, je l'ai capté à la toute fin. Laissez tomber, des fois, je suis un peu lent. Hein. Les textes de recherche de Béatrice de Rune sont totalement cryptés. J'abandonne. J'ai une bonne nouvelle. Ils l'ont enfin déplacé au sous-sol. Alors, voilà. Va céder. C'est pas trop tôt. Le carnage. Maman. Ah, c'est bien les rats, c'est bien les rats. Des bonnes saloperies. Faut pas croire, les rats, c'est intelligent. Hein. J'ai retrouvé maman. Ouais. Ok, donc là, on redescend. Et du coup, direction sous-sol. Et ok, tu vas trouver ta mère et tu vas faire quoi? Ok, on arrive dans la... Elle est au sous-sol, ils ont dit. Je dois continuer à descendre. Ok, c'est où? Je suis sûr que c'est vers là-bas. Ah mais il y a l'autre con là-bas. C'est trop grand ici. Ce monsieur, c'est qui? C'est le salaud. Regarde, il a son gros garde là. C'est à lui que tu donnes le sang. Grand inquisiteur, l'archevêque est arrivé. Ah. Ok. Hop. L'archevêque, c'est celui qui gueulait tout à l'heure. Fait. Pourquoi des cafards? Pourquoi pas des tchouins? Faites-le entrer. Ils vont le buter. Vitalis. Monseigneur Gautier, avez-vous fait bon voyage? Épargnez-moi les politesses. Votre petit jeu n'amuse plus, Vitalis. Un jeu, monseigneur? Croyez-vous qu'un jeu puisse changer l'avenir du monde? Mais écoutez-vous, vous avez complètement perdu la raison. Tout ceci... Permettez. C'est important. Nous l'avons, le sang du goût de Rune. L'avez-vous testé? Oui, hélas, monseigneur. Le garçon aurait déjà dû franchir le premier seuil, mais quelque chose dans son sang a freiné le processus. La macula est toujours dans son état premier. Peu importe. Si les textes sont exacts, son sang et le mien vont être liés. Alors juste, je fais une petite parenthèse, la voix de ce mec-là... C'est un grand acteur français, c'est notamment celui qui double en français Dr House, Jafar et plein d'autres. Allez chercher son nom, il est génial. L'enfant passera le prochain seuil, je le passerai avec lui. Allez-y. C'est un drogué de ouf, lui.
voilà assez. Vous jouez les martyrs, mais je vais vous dire la vérité. Vous n'êtes qu'un hérétique que le pouvoir a rendu fou. Même le pape vous voit comme une menace. Vitalis Benevo, vous êtes excommunié. On peut excommunier un homme, monseigneur. Mais pas un saint. C'est la fin de votre inquisition. C'est donc le début d'une nouvelle ère. Me supplieront à genoux de les sauver. Il est avec nous. Fort bien. Allez voir si Béatrice de Rune a repris connaissance. Lui là, on va le baiser à la fin. Seules nos méthodes diffèrent. Sa fille fait la même erreur. Stupide. Mais le frère, il est unique. Il pourrait comprendre. Unique ? Je suis unique. Repos. Bah, t'avais pas compris encore ? Ad Lucem. Avez-vous vu le grand inquisiteur ? Oui. Le sang du porteur coule dans ses veines. La conjuration aura lieu. Splendide. C'est bientôt la fin du fléau. Exact. Mais nous devons poursuivre nos efforts. Mais moi j'ai hâte qu'il soit un maître rat, putain. Ce serait trop stylé. Allez, hop. Ni vu ni connu avec tous les gardes à côté, là. Ils ont pas de vision périphérique. Et lui, là... capte rien du tout. Tac, regarde-moi ce maître espion. Ok, on passe dans les jardins. Putain, les grandes. On peut voir le ciel. Waouh. Oh, le ciel. C'est ouf. Ah merde. Merde. Ça a bougé par là. Non, non. Merde, j'aurais pas dû prendre ce chemin. Ils ont une vision de 10 degrés, ouais. On peut voir le ciel. Seigneur Nicolas, félicitations pour la capture du petit. Des semaines que nous le traquons. Et il arrive ici en demandant à voir sa mère. Allez comprendre. Le gamin a le sens de l'humour. Il ne va pas le garder longtemps. D'ailleurs, je dois voir sa mère. Maman, qu'est-ce qu'il va lui faire ? Ben oui, bouffon, fallait réfléchir avant. Quoi ? Non, non, y'a rien. Il est où l'autre ? Il s'en va, vite ! Ça passe. Il est où l'autre ? Il est par là. Hop, on court un peu. Ni vu ni connu. Et lui, il marche à deux à l'heure, hein, c'est bien. Il va sûrement fermer la porte là. Voilà. Ok. Allez, je vais remettre la cam. Hop. Allez. Et qu'est-ce qu'il compte faire ? Il va voir sa mère et puis après quoi ? Ah merde ! Ah le con ! Non. Sont stylés ses bottes à lui là. Il te met un coup de pied mon gars ? T'es foutu. Alors lui là. Comme je vous le disais. Ok. Ce garde a été dévoré. Mais pas complètement. Ces os passer par là ont été découpés et emportés par les rats. Dans quel but
pour les incorporer à cette matière que l'on retrouve un peu partout. Vous voulez dire leur nid ? Ils ah, voilà. Ils sont morts pour bâtir leur nid. Exact. Et si personne ne capte rien, les petits cheveux qui dépassent. À la vitesse où les morts s'accumulent, ces nids finiront par se rejoindre pour ne former plus qu'un. Ah. Je vous le dis. Alors prions pour que la cérémonie de conjuration de Vitalis ait bel et bien lieu. Où il est ? Ok. Je trouverai pas maman sans lui. Quoi, quoi, quoi ? Non, t'as rien vu. Ah, je l'ai pas capté. Il va la ken. Mais c'est bien, là, on a... Ok, bon, ils me mettent à des endroits. J'arrive pas à vous entendre comme les autres. On doit les transporter. Vous n'avez rien à craindre d'eux. Des milliers de croisements et un peu d'alchimie ont eu raison de leur instinct. Sans compter un changement radical de régime alimentaire. Ah, bien. L'apparence, elle est vraie, là. Ok. Aide-moi ! Aide-moi ! Qu'est-ce qu'il a encore, lui ? Hé, hey, crève en silence. Il y a des gens qui travaillent. Je préférerais qu'il attende un peu. Les rats préfèrent la viande fraîche. Soyez maudits. Ok, ah oui, il lui donne un... Oh putain, il est pas passé loin, lui. Il va chercher maman. Votre mort n'est pas une fin, car votre sang nourrit une nouvelle race d'anges. Qu'ils soient vos enfants. Votre fierté. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Par où je passe ? Ils foutent quoi, ces cons ? Alors je peux passer là ou... Sane là, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils ont les veines ouvertes. Et ça nourrit les rats. Putain, c'est gore, hein. Ce jeu de la déprime. Bon, lui, ça va qu'il est lent. Allez, y'a maman là, y'a maman. C'est le seigneur Nicolas. La mère de Rune va passer un sale moment. Elle l'a cherché. Une femme aussi savante. Elle aurait dû rejoindre nos rangs. C'est une forte tête, mais pas assez pour résister à notre bourreau. Ok. Elle doit être tout près. Par là. Juste là. On peut pas sortir. Non. Par pitié. Laissez-moi au moins. Ok. Donc là, on va voir. Les joies de la vie. Au moins ici, ta carcasse a encore de la valeur pour nous alchimistes. Profite. Voilà, hop. Casse-toi de là. Hé petit, qu'est-ce que tu fabriques ici tout seul ? Chut, je dois trouver ma maman. Oh, alchimiste. Oh, misère. Tu ne ferais pas... T'inquiète, laisse-moi gérer. Hop. Pour un petit peu. Je parle avec maman. Pour la dernière fois, acceptez-vous de répondre à nos questions? Oh, peut-être m'en voulez-vous encore pour votre époux. Elle répond pas. Notre bourreau va prendre soin de vous. Vous verrez, vous retrouverez vite l'usage de la parole. Oh non, il revient. Cache-toi. Il se parle à lui-même. Allez, Mamoun. Elle est où, Mamouni ? Maman ? Attends. Hop. Qu'est-ce que tu... Amicia disait que t'étais morte, mais c'est faux. Amicia. Mon petit. S'ils te trouvent ici, ils vont te... Non, je reste avec toi.
Oh, Hugo. Ils ont pris ton sang. Oh, Seigneur. Et voilà, il est content. D'accord, Hugo. On va partir ensemble. Mais il faut que tu trouves les clés. Ils doivent les garder dans la pièce, au bout du couloir. Tu crois que tu peux le faire? Alors vas-y. Allez. T'inquiète, on a réussi à se faufiler jusqu'ici. C'est pas des clés qui vont nous arrêter. Quelle mère consciencieuse. Fais très attention. Reviens. Allez. Que tu as les clés. T'inquiète. Ah, est-ce qu'on va avoir le droit à l'épisode torture? Oui, Seigneur Nicolas. Bon, t'as entendu? Tout sera prêt. L'alchimiste parlera et je vais faire un plaisir. Coucou. La pauvre, elle a souffert. Ouais, elle avait pas l'air, si mal en point que ça. Lorsque je reviens, je veux que tout soit prêt pour commencer. Oui, Seigneur Nicolas. Bon, t'as entendu? Tout sera prêt. L'alchimiste parlera et je vais me faire un plaisir de... J'aurais juré. J'aurais juré rien du tout. Tourne-toi. Bien, bien. Si Amicia était là. La mère de Rune. Non, j'ai pas besoin d'elle. En surface. Les couteaux sont éliminés. Oh, regarde pas, regarde pas. Ça, disons, si. Tout est prêt. J'oublie rien. Avec le capitaine, mieux vaut rien oublier. Il y avait un mec qui était à moitié dégommé là. Ah, ta mère, il a regardé au dernier moment. Fais très attention. Attends, il faut que je fasse quoi là? Du coup, il faut que je bouge la lumière. Je reviens. Je veux que tout soit prêt pour commencer. Oui, Seigneur Nicolas. Bon, t'as entendu. Okay. Tout sera prêt. L'alchimiste parlera. Je vais me faire un plaisir de... Contente-toi de faire ton travail. Ça marche, capote, merci. Ciao. Et moi non plus. Oui. Reviens-moi quand t'es prêt. Je dois les faire partir. Bon. C'est peut-être l'occasion d'une promotion. Si Amicia était là. Les résultats. Non. Bien. J'ai pas besoin d'elle. Pas de spectacle inutile. Besoin d'elle, mais putain, une taille de petit ingrat de merde. Sans surface. Les couteaux sont aiguisés. Marteau, pince, tison, scie. Tout est prêt, j'oublie rien. Tout est prêt pour niquer des mères. Regardez-moi ce petit truc de bâtard là avec les petits pics et tout. Ça c'est pour les cages. Allez. Bien fait. Allez-vous-en. Vite, la clé maintenant. Elle est où la clé? Ok, Assassin's Creed les gars, voilà, je l'avais dit. C'est Altaïr ce mec. Le premier. Ah non, c'est pas le premier en vrai, parce que... Il y en avait eu avant. À l'époque de l'Égypte déjà. De la Grèce antique. Les lanternes, ils vont pas aimer les lanternes. Okay. Ok, vas-y. Oh, ça marche. Pssit. Voilà, pssit, pssit, pssit. Dégagez. Maintenant, elle est où cette putain de clé? Elle est où la clé?
Là. T'as pas le droit de me grailler. Je suis le maître rat. Ah, dans ta tête. Taisez-vous, taisez-vous. Ok, c'est bon. T'es ok, tout est sous contrôle. Voilà. Il passe encore. Et maintenant. Avec l'autre lanterne, peut-être. Je peux plus traverser. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? What? Mais j'étais dans la. Mais j'étais dans la lumière! Fais très attention. Aucune idée, Moonlight. Ah, de là, ils sont. Putain, mais niquez vos. Après, l'alchimiste parlera et je vais me faire un plaisir de... Contente-toi de faire ton travail. Le capitaine de la garde n'apprécie pas les fioritures, et moi non plus. Oui. Reviens-moi quand t'es prêt. Je dois les faire partir. Bon, c'est peut-être l'occasion d'une promotion. Si Amicia était là... Des résultats... Non, j'ai pas... Oh, regarde pas, regarde pas. Inutile. La mer de runes, douce en surface... Les couteaux sont aiguisés. Marteau, pince, tison, scie. Tout est prêt. J'oublie rien. Ah, pardon. Ok, 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 ok. Là, je dégage ça. Ça va les faire bouger. Voilà. Bon, là, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de bouger. Les portes se ferment tout seul, c'est magique. Les lanternes, ils vont pas aimer les lanternes. Et là, on fait ça. Oh, ah. Ça marche. Dégagé. Ok, là on en a cramé deux. Ah, il faut se concentrer là, j'ai pas envie de le refaire 50 fois. Voilà. Tac, on prend les clés. Allez, la tête. Il va me grailler quand même, hein. Ils ont faim. Faut que je repasse par là ou il y a un autre chemin? Avec l'autre lanterne, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça sert à rien au final. Et, il fait son marché, ouais, ouais. Il prépare son petit plat du dimanche. Petit couteau. T'inquiète pas. Il a sa petite recette prête là. Il a tous ses ustensiles de cuisine. Il est prêt à faire des petits morceaux de viande et tout. Je peux plus traverser. Il faut que je les écarte. What the fuck? Oh, 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 oh. Putain. Oh. On peut prendre un peu de feu là, non? On se calmer les rats là. Ok, c'est bon, je sais ce que je dois faire. Là, je fais ça. Là, je fais comme ça. Là. Là, je fais ça. Maintenant.
maintenant je fais ça. Allez, ça crame. Et là c'est bon, non? Attends, pourquoi la lumière est pas bien mise là? Ils vont me grailler les pieds, eux. Il y en a assez pour me tuer là. Attends, j'ai mal mis. Je l'ai mal mis. Voilà. Je l'ai mal mise. Plus vers la gauche. Voilà. Et maintenant celle-ci. Plusieurs qui crament là. Ok. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça passe. Voilà. Tac. Allez, Mamoun. Mon héros, comment tu te sens? Ta tête? Elle parle tout le temps maintenant. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Elle dit que... elle veut que je la rejoigne. Le premier seuil. Maman, j'ai peur. Chelou lui, hein. On ne sortira jamais. On n'a pas le choix. Si je suis avec toi, la voix... tu es prêt à lui répondre. Ah. Allez, va gérer les rats. Hugo, est-ce que tu les entends? Oui. Ils ont tous la même voix. La voix qui fait mal à la tête. N'essaie pas d'ignorer cette voix. Accueille-la totalement. D'accord. Allez, Imperium. Bravo. Tu vois, plus mal à la... Allez, on gère les rats, je t'avais dit. Mais tu lui as répondu. Ces cris. Ils ont dû encore lâcher des rats sur les prisons. Qu'est-ce que... des rats? Non, non. Cours, gros bébé. T'as peur, hein? Hugo, ce n'est pas un jeu. Ce pouvoir est dangereux. Tu dois te contrôler. Oui, maman. Le mec contrôle les rats. Alors, c'est ça ma maladie? Tu n'es pas malade, Hugo. C'est un don. Je t'expliquerai. Un don. Ou alors, je deviens fou. Ok. On a géré, on a géré. Hugo va être enfin utile. Ils sont quand même agressifs face à leur maître, hein. Mais en gros, il arrive à les attirer. Ok. Ok, cool ça. Bien ça. Oh, les routes sont défoncées. Par où on va passer pour livrer ça? Manquerait plus qu'on perde une de ces cages. Je vais les faire monter sur le mur. Bravo. Ces rats. Mais qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Ils leur font manger du sang de gens. Vraiment? Oui. C'est bizarre. Les rats noirs, je les sens. Mais pas ceux-là. Je ne vois pas.
On doit trouver un moyen de sortir d'ici. Où est-ce qu'il... Je peux pas les faire cramer par contre. Je peux pas les amener à se faire suicider. Un peu bizarre. Ça va te fatiguer, c'est normal. Dis-moi si ça ne va pas. Oui, oui. Mais non, mais fais-le. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Fais ton truc là avec les mains. Ils vont les envoyer à la guerre, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il le fait pas, quand il se fait bouffer, il peut plus le faire. T'as juste à faire ça là. Ta main chelou. Voilà, fais ta main chelou là. Voilà. Allez hop, allez là-bas. Voilà. Maman, pourquoi je sais faire ça? Voilà, parle un peu. C'est le sang qui décide. C'est compliqué à expliquer. Mais Amicia, elle sait pas. Non, je vous expliquerai un peu plus tard. On s'est disputé, tu sais. Ce n'est pas grave, mon grand. Essayons de sortir d'ici, hein? Ah là, ça va partir en couille. Allez, tu vas ramener les rats là. Chère Béatrice. Vous... Ok, attendez, hop. Vous pouvez donc enfin retrouver votre fils. Je sais ce que vous lui avez fait. Vous avez pris ce que vous vouliez, laissez-le partir maintenant. Vous m'insultez, Madame de Rune. Votre fils est le porteur naturel de la Macula. Et elle n'en a pas fini avec lui. Ce qui veut dire que moi non plus. Mais ça, vous le savez. Vitalis, finissons-en. Nicolas, vous ne pouvez pas comprendre. Tu le ressens comme moi, n'est-ce pas, mon garçon? Nous sommes unis par le sang, désormais. Qu'en penses-tu, Hugo? Ta famille s'agrandit, Je vous en supplie. Je vous promets de vous aider, mais laissez partir mon fils. Son destin n'est pas d'être un de rune. Son destin est d'être ici, à mes côtés. Vous êtes un monstre. Un monstre? Allons, allons. Vous n'avez encore rien vu. Allez. Voilà. Tu n'as plus de maison. Tu es à nous. Il est où? Vous êtes le point de départ de la conjuration. L'avenir dépend de vous. Tiens, tu vois pas qu'il y a des rats qui foncent vers toi, non? Ah, il se sent pas bien là, il se sent pas bien, il est pas bon. La prima, elle
réagir. Continuez. Ah mais ils font exprès. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. C'est trop tard. Allez, le petit fermier. Ah super, les gars ils savent qu'ils sont là pour faire guise de repas. Ok, ils font ça exprès. Ils savent qu'ils l'ont. Il les attire avec les machins là. Réponds-moi. Hugo, tu m'entends? Je t'en prie. Il est puissant. Mais il n'a pas passé le seuil comme nous le voulions. Savez-vous pourquoi? Amicia. C'est Amicia. C'est fâcheux. Mais il n'est plus très loin. Et il nous reste d'autres pions à avancer. Emmenez-la. Laissez-le en paix. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il m'en faut plus. Beaucoup plus. Et vous allez rester ici avec moi. Pour bien en convaincre. Ne t'inquiète pas, Hugo. J'ai parfaitement foi en toi. Nous allons y arriver. Chapitre 15. Réminiscence. Pensez à quoi la mère? Elle essaye d'aider son fils, c'est tout. Alors là, ils essaient de réveiller le premier stade de sa maladie. Je sais pas ce qu'ils veulent faire. Quel est le plan? Et on retrouve Amicia. T'es en plein trip. Amicia, elle est réveillée. Calme-toi, Amicia. Hugo. On a retrouvé ta trace avec Arthur. Tu as disparu pendant 3 jours, Amicia. Tu es passée à 2 doigts de la mort. Hugo. Laissez-moi. Un mois plus tard. Un mois ? Janvier 1349. Ah, elle a abandonné son frère, ok. C'est pas vrai. Allez. La serrure est encore gelée. Oui. Je crois que Roderick travaille dans la cour. Année. Alors, cette sieste, tu te sens mieux? Un peu. Tu as encore rêvé de lui? Oui. Je vais te préparer une décoction de millepertuis et de... Non, merci. Il me manque, c'est tout. Je dois accepter qu'il ne reviendra pas. Comme tu veux. Bon, je vais aller voir les autres. Oh, tu peux dire à Mélie pour le coffre? D'accord. Oh, Mélie va encore me dire, bah, t'as qu'à pisser dessus. Mais il fait trop froid. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est Hugo qui aurait dû te trouver. Ok. Je vais remettre la cam. Tu voulais savoir pourquoi elle était à terre? Elle était à terre parce que elle était fatiguée, tout simplement. Allez, petit pas en arrière, hop. Alors ils sont où les copains là? Ils n'ont toujours pas fait des lits au bout de quelques mois. Toujours pas la poche. Il me manque quoi? Ah, il me manque de la salpêtre. On n'a jamais eu autant de pommes. Hugo se serait rendu malade avec ça. Putain, ouais, il y en a. Hein. Ok. De rien. Roderick n'a toujours pas pu avancer les travaux à cause de la neige. Ok. Alors, par où? Par où dois-je aller?
Par ici. Ça clignote. Parce que oui. Ah là c'était le... Ok, peut-être que je vais trouver de la salpêtre ici. Lucas a encore passé la nuit ici. Ça doit lui rappeler l'époque où il faut que Lucas arrête de récupérer des livres. On va... La tête de Lucas quand il avait cru arriver au grand œuvre. Et Hugo. Bravo Lucas, t'es un sorcier. Ok. C'est bien. Hop, je vais pouvoir aller crafter ce truc là. Comme ça c'est je suis tranquille. Voilà. Hop. Ah non, il manque quoi? Ah non, c'est pas de la salpêtre, c'est quoi? Ah chier. Bon bah tant pis. J'ai cru. Je me suis fait bait. Cuir, je suis à fond. Descends encore un peu plus. Ok. Par là. Bah, c'est une chapelle là. Excusez-moi. Si vous savez où est Hugo, dites-le moi par pitié. Ou veillez sur lui, si vous le pouvez. Yes, t'inquiète. Je penserai. Ok. Ok, bah c'était pas par là. Ça on a vu. Et on est passé par là, on est passé par là. Ah mais tout simplement par là. Et si toi t'arrêtais de vivre comme un animal. Oh. Salut Amicia. Salut. Il a l'air d'avoir une bonne ambiance là. Oui. Arthur veut juste se tirer encore une fois. Tu m'emmerdes. Je veux nous garder en vie, c'est tout. Comme on a toujours fait. Et la nuit va tomber, il va falloir allumer les feux. Arthur, tu m'aides? Vas-y. Et la fais pas trop chier. Pourquoi je la ferais chier? Parce que t'es chiant, voilà pourquoi. Au fait, Lucas a besoin d'aide avec son coffre. Tu parles. Il veut juste me voir. Bon, quand tu veux, Amicia. Allez, mettons les brasiers en place. Commence par... Par celui-là. Oui, je sais. Ça fait des semaines qu'on suit la même routine, Amicia. Désolée, ça m'aide à dormir de savoir que la fosse est sécurisée la nuit. Alors... Allez, c'est parti. Je me sens vieille. T'es pas mal pour une vieille. Merci. Tu sais, je connais pas beaucoup ton frère, mais... Il t'aimerait bien. Tu crois? Tu nous as sauvés. Tu t'es fait prendre, tu t'es échappé. On dirait le héros d'un livre. Un héros? Mais il aurait été triste que tu partes. Ah. Et l'autre, il s'énerve là-bas. C'est bon. Tu l'aimes ton univers, pas vrai? J'aime bien le feu. D'accord, si tu le dis. Tout va bien, Roderick? Ouais, ça va. Il va marcher. Hein, qui va marcher? Va marcher, je te dis. Hé, du calme. Si tu casses tout... Oh. Oh, ben voilà, ça marche. Maintenant, les brasiers resteront à leur place. La méthode, Roderick. On sait pas comment, mais ça marche. Vous avez plus qu'à essayer. Tout de suite. Ok. La méthode, je casse tout. Lui, fait depuis qu'on le connaît, il casse des gueules, il casse des portes. Je m'occupe de l'autre brasier. Quand t'es prête, on y va. Hey, est-ce que ça va? Ben ouais. Pourquoi? C'était... intense. Ah, les coups de pied. Mon père travaillait comme ça. Eh ben. Plus que moi pour suivre la tradition depuis qu'il... Bref. Et toi, ça va? Oh, Mais je peux pas... Ça va, ça va. Il me manque aussi. Tu sais quoi? Si on étendait encore le champ de recherche. Roderick, ça sert plus à rien.
fait déjà 30 jours. Allons préparer la fosse pour la nuit, d'accord? D'accord. Arthur veut t'avoir pour lui, c'est ça? Ah, la ferme. Oh, Amicia, permets à ce brigand esselé de dérober ton cœur. Va plutôt te laver, tu pues. Quel doux ménestrel tu fais. Allez, et amène bien le brasier jusqu'au bord. Tu sais, aucun rat pourra escalader cette fosse. Ce système est là pour une bonne raison. Ce système n'arrêtera pas des soldats entraînés. Arthur, Mélie est fatiguée de courir. Mélie et moi, on n'est pas comme vous. Mais peut-être que Mélie n'est pas comme toi non plus. C'est bon, j'ai compris. Je te laisse le brasier du rempart. J'allume cela. Ok. Et le brasier du rempart? Ah, là-bas. Ok. Bon, on a bien conscience que ça va partir en couille, hein. Ça va forcément mal se passer. Ah, déjà, il nous donne des trucs chelous, là. Je te jure, je l'ai poussé tout seul. Un chariot de la taille d'une vache. Mais arrête de rire, c'est pas drôle. Je t'imagine en train de pousser une vache. Je te jure, c'était héroïque. Il y avait des rats partout. Demande à Amicia. Ah, elle se la pète. Dis-toi qu'on a quelque chose à nous ici. Et on a besoin de gens comme toi pour le sécuriser. Je vais y penser. Voilà, c'est bon pour moi. Il y a un problème ? Allez, qu'est-ce qui se passe ? What the fuck ? Qu'est-ce que c'est, un raz de marée ? LOL ! Oh shit. Here we go again. Je l'avais dit. Je suis un génie. Qu'on est reparti sur cette énigme, sérieusement? Ils sont pas cons, ces rats. Allez. Tiens, mange-toi ça. Toi, mange-toi ça. Oui, bah arrête de me lock là. Hop. On joue en craft 50. Voilà. C'est parti. Je te ramène vers l'échelle. Allez, Amicia, t'as connu bien pire. Hop. Des montagnes de rats là. Tiens bon. Je te rapproche l'autre. Fais vite, s'il te plaît. Amicia, je te combat de rats. Ils sont. Là. Et là. Encore un. Boum. Ok, il y en a pas mal là. Boum. Encore.
Voilà. Ok. Là pour le coup. Vas-y. Mais avance-le, qu'est-ce que tu fais? Ok. Il branle quoi? Faut que je monte par là? Ah d'accord. Ils sont pas cons. Chez moi, à la maison. Amicia, je crois que c'est besoin de toi. Je m'en occupe. Je me sens pas très à l'aise. Je peux pas aller plus vite. Hop. Ok. Ouais, merci. Hugo le mettra là, il faudrait qu'il... Qu'est-ce qu'il y a? Ah merde, par là-bas. Ok. Putain, mais attendez, je l'ai presque plus là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est où? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant là? Il y a un mur invisible là, je peux pas y aller. Bâtard. Ok, putain, je pensais pas qu'il passerait par là. Il en arrive encore. Il va vraiment bouffer. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant? Ok. Ah putain, what the fuck? Ah mais il voulait juste monter. Rejoignons les autres. J'espère qu'ils vont bien. Si les rats sont entrés. Amicia, ce ne sont plus des enfants. Ils ont l'habitude. Je ne veux plus prendre aucun risque. Je ne veux plus perdre personne. Ce que je voudrais vraiment, c'est être très loin. Attends, il faut juste dégager. Ok. Ok, c'est bon. Allez, ferme-moi ça. Est-ce que ça va? Non, c'est quoi ce bordel? Arthur, t'as pas été mordu? Non, ça va. Faut qu'on se tire d'ici. Mais le château est fait pour résister. Lucas, à... il y en a jamais eu autant. Tu vois bien que c'est pas quoi, ici. Alors vas-y. Par ici. What the fuck? Il y a un mec qui monte là. Ah, c'est une attaque de machin. What the fuck? Ah ouais, t'avais raison, what? Va et fais ce que tu dois faire. Ah, c'est devenu un petit enculé. Hugo. Popopo, Moonlight.
c'est bien lui. Elle veut pas se rire. Qu'est-ce qu'il nous fait? Allez, vas-y, fais la technique de l'épaule. Voilà. Avec la macule, on va sortir. Pas de panique. Le château a été pensé pour ce genre de situation. Mais non, il est foutu, ton château. Les rats passent des pans comme dans le feu. Attends, je dois parler à Hugo. Je peux... Paul, on doit se tirer. Il a raison, Amicia. Allez, passez. Ok. Oh, le petit uppercut dans le nez là. Au travail. Hugo. Hugo. Tu l'as. Ou je tuerai ta mère sous tes yeux. Hugo, c'est moi. Amicia, ta sœur. Tu l'as, petit. Et peut-être que Vitalis te gardera à ses côtés. Reculer pour échapper à Nicolas. Non. Allez, gamin. Elle n'est plus rien pour toi. Si, si. Qu'est-ce que tu attends, porteur? Passe ce satané seuil. Ne l'écoute pas, Hugo. Hugo, utilise. Je vais l'offrir. Il s'est livré à nous parce que tu l'as trahi. Grâce à lui, Vitalis sera bientôt l'unique porteur de la Macula. Quoi? Non! Hugo est le seul porteur! Était! Son sang est maintenant dans les veines du grand inquisiteur. Arthur, maintenant! Allez, tiens, mange-toi ça là! La caillasse là, dans ta gueule! Et t'as mis une bonne droite à toi aussi. Hein. Le maître rat. Arthur, va t'assurer qu'il est bien mort. Moi, je vais parler à Hugo. Ok, attendez, j'enlève ma tête là, c'est le moment émotion. Le moment ouin ouin. Vas-y, je m'occupe de l'autre. Hugo. Je veux seulement te parler. Il ne peut plus rien faire, Hugo. Regarde. D'accord, d'accord. Je bouge pas. Viens, toi, si tu veux. Viens. Tu m'as menti. Non. Non. Hugo. J'essayais de te protéger. Quel petit ingrat de merde. Allez. Putain, tu... Ok, lui, on va le tuer. Allez, c'est parti, lui, on le bute. Faut que j'utilise le... Enfin. Non, cours, 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 cours.
Ok. Il bouge vite, comme des cafards. Restez là. Ils sont où ces rats, la con? Ils sont où les rats? Vraiment que je crame toutes les Allez tiens. Voilà. What the fuck? Ok, viens. Venez, venez, venez. Forcément ici. Pas facile de vivre dans mon monde. Ah, j'arrive. Ok, mais comment je fais pour lui casser son truc là? Qu'est-ce que vous croyez faire? Hé, hey, ne bougez pas! Ah merde! Petit bâtard. Ok, j'ai compris. Ok. C'est l'odeur de ceux qui se sont sacrifiés pour moi. Ah, il rallume les trucs, ce fils de chien. De la mort. Ok, il rallume. Vous êtes là, tout près. Ah, le chien. Ok. Vous allez payer. Merde. Je vous avais dit que je vous trouverais. Ils sont forcément ici. Il m'a vu. Il repasse par là. Facile de vivre dans l'ombre du porteur. Hein, Amicia ? Je peux te libérer de ça. Arrête de faire des tours comme ça, là. Droite gauche, droite gauche. Ta sœur ne pourra pas te sauver, petit. Tu es seul. Ah, j'arrive. Rouillé. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gros cons? Non, faut pas tout éteindre, la preuve. Ils vont à 10 à l'heure. Obéissez, merde. Très bien. On va jouer d'égal à égal. Les rats, Alicia, il les a tous tués. Rien. Enfin, on va libérer vite, comme des cafards. Hein? Hey,
Voilà. Je vais le refaire. Ok, le mec est en feu complet. Alors il est où? Et maintenant tu crèves. Voilà, là, c'est bon. Voilà. Vengeance. Boum. Dans le réseau de rats. Amicia. Arthur. Oh non, non. Arthur. Non mais moment émotion. J'ai déjà enlevé la cam, c'est bon. Je vais les tuer. Je vais les écorcher vives. Mélie, je suis... Ferme-la. D'accord. Arrête, s'il te plaît. Je vais les crever. Je vais brûler leur putain de bannière. Mélie, t'as aucune chance. Ah ouais, et toi? Tu vas faire quoi? Rester ici? Mais ouvrez les yeux! Regardez! Tu te rends pas compte de ce que tu dis? Je me rends compte qu'on crève, les uns après les autres! Ils ont eu mon frère, ton père, le vôtre! Il reste plus rien! Plus rien! Elle a raison. Amicia, c'est de la folie! On est 5 contre une armée! En fait, on est beaucoup plus maintenant. Il a passé le seuil? Ouais, je crois. Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu en dis? Je veux sauver maman. Ça change beaucoup de choses. Quitte à ce qu'on meure, qu'est-ce qu'on a à perdre? Nous? Rien. Mais Vitalis, il s'attend pas à nous voir venir. Alors on y va. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort.